Puis-je entrer sans même me payer à boire? Elle me dit: Jean-Loup. Oui, Edwige. Vous ne remarquez rien, Jean-Loup? Il me semble que vous avez oublié d'enlever votre oreiller ce matin. Mais je l'ai fait exprès, Jean-Loup. Quand je dors sans mon oreiller, j'ai encore vite mal à mon cou et je suis tellement fatigué que je m'endors un peu partout. Ah, c'est ça que votre corps et votre visage semblent là. Vous avez bu ou quoi, Jean-Loup? Bien sûr que je suis là. Et puis, je ne voulais pas dire là, ici, mais là, qui veut dire fatigué, avec un S. Ah, je comprends. On peut être là, là. C'est ça. Mais quand c'est ici? Ben, aussi. Et comme je suis ici, le là, là, c'est ici dans ce cas-ci. Oui. Et j'en prendrais bien dans ce cas-ci de cassis. Ici tellement mon corps est là. Je vais vous servir un cassis. Et puis, mon petit, mais cette fatigue, comment se fait-ce? Mais Jean-Loup, ça n'a rien à voir qu'une histoire de cul. J'ai fait un concours à mon carrefour. Ah bon, et qu'était-ce comme concours? Un radis pour des radis. Un radis était caché dans le magasin, et le premier qu'il trouvait gagnait des radis. Des radis? Oui, Jean-Loup, deux bottes de radis. Alors moi, comme j'aime bien la mode, je me suis dit, je vais faire le concours. Des bottes en radis, ça peut être amusant, hein? Bien sûr, oui. Mais c'était vraiment des radis, avec un élastique, ils appellent ça une botte. Quel menteur chez Carrefour, hein? Et vous savez, vous avez caché le radis? Ah ben non, Edwige, mon petit. Dans les radis. C'est impossible à trouver, hein, Jean-Louis? C'est comme si vous cachiez dans l'équipe d'Anderlecht un type qui ne sait pas jouer au foot. Comment le distinguer des autres? C'est sûr. Et donc, le radis, vous ne l'avez pas trouvé? Oh non, j'ai juste attrapé mal au dos. Et comment se fait-ce? Vous êtes vraiment obsédé, vous, Jean-Louis? Je cherchais le radis en dessous des pieds des frigos, puisqu'on dit qu'un radis calme. Oh. Ah, je vois. Pour que je ne porte pas plainte pour mon dos cassé, Carrefour m'a offert un cadeau. Ah bon, c'était quoi? Un radio réveil, haute technologie avec l'heure qui est projetée au plafond. Ah, mais j'en ai un aussi comme ça avec l'heure projetée au plafond. Ça marche bien. Vous avez un réveil comme ça, vous parvenez à dormir? Oui, oui, je m'en dis. Moi, j'ai toujours peur que pendant mon sommeil, les chiffres me tombent sur la tête. Ah, et c'est pour ça que vous ne dormez plus? Ouais, alors j'ai mis le radio-réveil dehors. Mais je ne dors pas non plus parce que j'ai peur de ne pas me réveiller puisque mon réveil n'est plus dans ma chambre. Et donc, je ne le vois plus, hein. Et j'essaie de dormir dehors, mais le ciel est trop haut, alors les chiffres sont trop petits. Et je ne vais quand même pas dormir avec des jumelles, hein, Jean-Loup? Et que comptez-vous faire maintenant, Edwige, mon petit? Oh, ben j'aimerais bien aller dormir chez vous, Jean-Loup. Enfin, Edwige, je n'ai qu'une chambre, et mon réveil projette aussi l'heure au plafond. Mais vous n'avez qu'à vous coucher sur moi, Jean-Loup, pour me protéger. En fait, puis mon petit, vous n'y pensez pas? C'est un chiffre qui me tombe sur le dos. Oh mon Dieu! Vous risquez d'avoir un calcul horaire, alors. Alors, je vais rapporter ce réveil chez Carrefour. Oui, mais enfin, comme vous l'avez reçu. Je sais, Jean-Loup, je n'en aurai pas un radis.